Je m'appelle Monsieur Ali Zazi Chamingui. Je suis né à Kinshasa. J'ai fait des études ici à Kinshasa, mes études primaires et secondaires. Je finis en psychopédagogie. Et puis je suis allé en Tunisie continuer mes études. J'ai commencé par faire les relations internationales. Après quelques mois, j'ai changé. Je suis allé faire la gestion hôtelière. Et par après, bon, comme la passion du cinéma était en moi, comme je l'avais déjà commencé ici, je m'exerçais parfois à écrire. Et c'est là-bas en Tunisie que j'ai rencontré beaucoup d'amis cinéastes qui m'ont conseillé de faire ce métier parce que j'étais fait pour ça. Donc c'est là-bas que je peux dire que cette passion du cinéma a encore beaucoup plus explosé en moi. Mais je l'avais ici, mais comme je ne pouvais pas commencer à le faire ici, vous savez, avec la situation ici n'était pas assez évidente pour dire à mes parents que je voulais faire du cinéma. Mais c'est à l'étranger que, avec les encouragements des amis, que je me suis plongé et que j'ai commencé à le faire. Bon, à la base, moi, je suis d'abord scénariste. Comment je m'inspire? Je m'inspire de la vie de tout un chacun, de moi-même. Je regarde tout autour de moi, mon environnement. Et puis les amis qui viennent, quand ils me parlent de leurs histoires, les problèmes des familles, j'observe, je regarde. Et c'est comme ça, quand je rentre, quand je m'enferme chez moi, dans mon monde à moi, je commence à écrire, à faire des ébauches. Et c'est de là où sortent les idées pour en faire à la fin un film. Toujours de ma vie. Et cela est dû à une grande déception? Non, pas vraiment. Salut Blaise. Quelle surprise. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Ah bon? Je te surprends. Écoute, c'est pas ce que tu crois. Hein. Depuis le matin que je t'appelle, tu ne veux pas me répondre. Et j'arrive chez toi, je te trouve avec un inconnu. À quoi veux-tu que je croie? Hé, hey, petit frère, au cas où tu l'aurais pas remarqué, je suis pas un inconnu pour elle. Hein? Attention garçon, je ne suis pas ton petit frère, ok? Mais Blaise, qu'est-ce que ça va changer en toi? Mais c'est quoi cette histoire, Maggie? Donc tu trouves normal que ces singes aient des propos désagréables à mon âme? Je n'aime pas ça, Blaise. Et là, toi, c'est qui traite des singes? C'est toi que je traite des singes, salaud. Blaise! Mais toi, je vais finir par faire la peau à Maggie, tu piques même. Maggie, laisse-moi venir, voilà comment tu me feras avaler ce temps. Ah bon? Non, c'est lui qui t'a choisi pour me remplacer? Mais qu'est-ce qu'il a d'aussi spécial? Je n'aime pas ça, Blaise. Mais vous avez bon mal, hein? Bon mal, mon coin. Arrêtez, s'il vous plaît! Bon mal, Blaise! Blaise, s'il te plaît. Pars comme ça, on se verra un peu plus tard. C'est quoi? C'est à moi maintenant que tu demandes de partir. Et lui? N'aggrave pas les choses qu'elles ne le sont déjà, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je me barre. Et tu ne me verras plus jamais dans ta vie. Blaise. Blaise. Tu vas pas me dire que tu es en train de regretter ces petits? Kevin, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Arrête un peu, Maggie. Tu vas pas te morfondre à cause de ces petits ringards. Kevin, c'est mon petit ami et je ne te permets pas de l'insulter. Attends, c'est pas encore fini entre vous deux, là? S'il te plaît, je veux rester seule. Ah bon, le cinéma congolais se porte mieux. Nous avons des grands réalisateurs que vous certainement que vous connaissez. Il y a Papa Mwenze, il y a Papa Baloufou. Il y a d'autres dont le nom m'échappe un peu. Mais je pense que le cinéma congolais a un problème maintenant de vision. Je pense que nos aînés ont fait ce qu'ils devaient faire. Maintenant, c'est à nous, jeunes, qui devons réfléchir pour essayer de remédier un peu à cette situation. Parce que à voir comment les anglophones fonctionnent aujourd'hui, il est important aujourd'hui que les jeunes cinéastes congolais se mettent un peu ensemble et qu'ils comprennent.
On ne doit pas toujours chercher à aller regarder vers le nord ou à chercher que le blanc ou que ce soit les Indiens ou les Chinois viennent produire nos films ici. Il faudrait que ça commence d'abord par nous-mêmes. Le problème, le mot dont souffre le cinéma congolais, il est délaissé. Il n'est pas, ça n'intéresse personne. Je peux dire, c'est pas que ça n'intéresse personne, mais les gens qui devaient faire ce travail-là, de subventionner les cinéastes congolais, de les apporter, en aide, de l'aide, je ne parle pas en termes de toujours financement. C'est pas seulement l'argent. Des fois, les sites sont difficiles, les tracasseries. On n'arrive pas à faire notre métier facilement. Vous savez, moi, je peux aller au Gabon ou à Paris. Je peux tourner facilement. On ne va pas me déranger. Mais ce n'est pas le problème ici au Congo. Il y a un système, je ne sais pas, machiavélique d'où ça vient. C'est ce qui fait vraiment souffrir les jeunes cinéastes congolais. L'envie est là. Les jeunes ont envie de faire des choses. Et surtout avec l'avènement du numérique, je pense que tout est ouvert. Hein. Je pense qu'il y a des génies, il y a des gens qui sont intelligents pour le faire. D'abord, le théâtre, dans sa définition, le théâtre c'est une image vue de loin. Ça veut dire qu'elle est figée. Dans le théâtre, tout est exagéré. Le jeu a beaucoup d'emphase. Tandis que le cinéma, on épargne à l'acteur toutes ses emphases, ces gestes exagérés. Le théâtre est fait dans une salle. Il y a le théâtre qui peut être diffusé à la télé, mais tourner dans une salle de théâtre, on ne peut pas, du moment où on prend sa caméra, on sort en cours de route, on filme une voiture et on parle du théâtre. Le problème, ce terme-là est mal utilisé. Arrêtons de berner la population congolaise. Soyons sérieux. Oh, vous savez, quand vous me posez la question de savoir quelle est mon œuvre préférée, je ne peux pas dire ici, sinon l'autre va dire c'est pas normal. Un père de famille qui commence à dire devant les gens je préfère celui-là qu'à celui-là. Non. Bon, les Kinois ne connaissent pas encore mes œuvres. Mais l'œuvre que je veux mettre bientôt, comme je ne peux que parler d'abord de ça, c'est ça qui. Pourquoi tu t'étends le voir comme ça? Quoi? Est-ce que c'est un problème si je deviens ami à ton beau-frère? Quoi? T'as envie que je t'appelle qui? Belle-sœur par alliance. Oui. Oui, voilà, je suis là. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu veux? Je suis là parce que vous avez prononcé mon nom. Et ça fait quoi qu'on ait prononcé ton nom? C'est cette Maggie qui a prononcé mon nom. Voilà. Peggy, on va nous donner, Jean-Pierre. Ou sakananate. Eh, nanga pétain. Mon nom n'est pas comme une balle de ping-pong qui fait son coup de palette. Il se prend la tête, hein, c'est domestique. Qui est domestique? D'ailleurs, ça ne me pique même pas. Regarde comme elle est. Moustique. Jean-Pi, c'est qui tu traites de moustique? Matelo. Mais Maggie, tu ne vas pas te mettre à chercher avec lui? Jean-Pi, c'est quoi? Allez, hors de ma vie, c'est quoi ça? Petit tout. Yo, Matelanga. Yarat. Au moins, on est dans l'âne. Jean-Pi, tu te joues de qui là? Hors de ma vie, c'est quoi? Toi, tu finiras à partir d'ici, toi. Mais Maggie, c'est comme s'il y a un feeling entre vous deux, hein? C'est une série qui parle un peu de tout, hein, de la société quinoise, de comment on vit, nos colportages, nos amours, nos joies, nos déceptions. J'essaie un peu, c'est une sauce à la quinoise, pas à la congolaise. Hein, je ne vais pas être prétentieux ici pour dire que je connais parfaitement la société congolaise. Hein. Mes divertissements. J'aime m'informer, beaucoup suivre les informations. C'est là ma source aussi d'inspiration. La lecture. J'aime lire. Et je n'aime pas le jeu. J'aime beaucoup plus m'informer. Ça, ce sont mes divertissements préférés. Et regarder le football sur la RTNC. Et puis, deux fois regarder aussi des séries télévisées et des films, beaucoup, m'inspirer des autres, beaucoup regarder les autres. Je regarde beaucoup les autres.
pas moi. Voilà ce que je fais. Ça serait prétentieux de ma part de me donner une note. Très prétentieux. Bon, donnez-moi une cote d'ici 3 ou 4 mois. Après avoir vu ma série, ça encore, je vous rétorque votre question. Ça serait prétentieux de ma part de me donner une note. À la télé, comme ça, on va dire, mais celui-là, bon. Bon, 2 sur 10. Ah bon, voilà, moi je vous remercie. Je remercie les Quinois, même ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui me connaissent. Je remercie les Quinois parce que c'est un peuple qui a besoin de découvertes. Les Quinois veulent découvrir parce que je vois quand ils regardent des films étrangers ou des séries étrangères. Hein. C'est un peuple qui veut découvrir les choses. Mais j'ai peur aujourd'hui avec l'avènement du numérique, avec... on nous parle de Canal+, on nous parle de Star, je ne sais pas quoi. Mais les Quinois, posez-vous une question. Qu'est-ce que vous allez regarder demain? Vous allez regarder les chaînes étrangères en vous proposant les séries des autres? On doit s'interroger. Quelque part aussi, l'État congolais doit assumer ses responsabilités. Oui, c'est beau bien de comprendre qu'on nous dise, voilà, vous aurez Canal+, vous aurez telle chaîne. Mais nous, notre apport par rapport à tout ça, moi j'ai peur qu'on nous envahisse. Hein. Je suis pas, c'est pas pour susciter encore de la polémique, mais je trouve que on prend un cap qui sera irréversible d'ici 10 ans. Il n'y a pas de production congolaise, et quand on accepte que toutes les chaînes étrangères viennent baisser le prix de décodeurs ici pour que les Quinois regardent enfin des familles européennes dans leur maison. Et je ne sais pas à quoi on veut ressembler. Ceux qui nous dirigent, regardez votre population et cherchez à savoir dans 10 ans quel genre d'éducation nous aurons. Nous, jeunes Quinois, nous voulons produire. Nous devons produire Congolais. Nous devons regarder Congolais. Et si on commence à regarder Français, Chinois, Asiatiques, Indonésiens, là, ça deviendra très dangereux. Voilà les derniers mots que je peux dire, que les Quinois cherchent à savoir réellement qu'est-ce qu'ils veulent regarder. Si on veut avoir une production congolaise, il est grand temps que les gens s'investissent. Les gens s'investissent pour acheter des décodeurs pour regarder les autres, mais ils ne s'investissent pas pour mettre de l'argent pour produire congolais. Et moi, je crains. Voilà mon dernier message. Et je dis bonjour à tous les Quinois. Merci à vous.